Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Je suis juste là à mon bureau, à l'état-major de la brigade anti-sorcier, 6h à Difet à Divo, derrière plateau, quartier plateau Saint-Pierre, derrière la clôture, la Saint-Plèche, au Divo plateau. Nous sommes au 1er mars 2015, dimanche 1er mars, donc il y a une transition d'un mois à notre mois. C'est-à-dire qu'un mois venait passer, le mois de février s'est arrêté au 28. Et nous démarrons un nouveau mois qu'on appelle mars. Et généralement, quand on démarre un mois, il faut parler au mois. Il faut parler au mois et s'adresser au mois. Et j'ai dit toujours aux gens, il faudrait que les gens aient une vie de prière. Ne négligez rien. Ne négligez rien. Tout est fait de programmation. C'est tout. Tout ce programme. Tous ces programmes. Donc le mois de mars qui vient de finir, février qui vient de finir, il y a un autre mois de mars, un autre mois qu'on appelle mars. Et c'est le troisième mois de l'année. Et c'est important. Chaque trois mois, il y a quelque chose qui va changer la vie d'un être humain. Voilà, c'est pour ça que quand les stages, c'est pendant trois mois, avant qu'on est en garde quelque part. Et c'est pour ça que le mois de mars, c'est beaucoup important. Ceux qui n'ont pas pu prier cette nuit, c'est-à-dire de 1h à 4h du matin pour verser une bouteille d'huile sur la tête, et donc si on peut dire, voici un nouveau mois qui démarre, c'est comme une voiture, il ne faut pas lui faire le vide, des vidanges. Donc c'est pour ça que David pourrait dire, il m'arrose une huile fraîche. Donc déjà, vous commencez à parler. À partir de 18h, ceux qui n'ont pas fait, là, où, dès que vous prenez la vidéo, à 18h, ou bien autrement dit, oui, à 18h, ou autrement dit, le lendemain, à partir de minuit, 1h du matin, vous pouvez vous rattraper. Parce qu'on peut se rattraper pendant 5 jours comme ça. Alors, le chiffre 5 sur le chiffre de la grâce. Donc, vous prenez de vous parler au mois de mars. Vous dites, au mois de mars, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes d'accident. Il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes de finances, tout ça. Non. Ou donner des ordres. Parce que la parole est une sémence. Parlez au mois de mars. Vous dites, j'aimerais que telle chose soit pour moi en mars. Telle chose. Vous parlez au mois de mars. Et vous rentrez en position au mois de mars. Le matin, puisque ça a été fait à 1h du matin, jusqu'à 5h, 6h, moins, vous prenez de l'eau versée sur la terre. C'est une action prophétique, cette libération. Vous dites, voici ce que j'ai dit. Que la terre et le ciel exécutent ce qu'ils viennent de dire. Voilà, donc en tant que prophète, voici un peu ce que je viens de vous prescrire. Et comme d'habitude, vous avez le coutume d'écouter ça. Et la négligence, la spiritualité aurait de la négligence. Essayez de faire ça parce que ça peut vraiment vous aider dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre en matière de spiritualité.